Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, on n'oublie pas le coup franc du like et votre réaction en commentaire. Aujourd'hui, l'équipe de France est de retour, on va supporter, on va s'amuser, on va exploser, on va vivre ensemble le match France-Danemark. Êtes-vous prêts pour ce match? Quelques chiffres et pronostics, cela fait 20 ans que le Danemark n'a plus gagné contre l'équipe de France. Pas de quoi inquiéter, je pense, mais il faut toujours se méfier. Avec un Benzema de champion et un Mbappé de feu, la France peut tenter au moins de gagner 2-0. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires justement. France-Danemark, les bleus contre les dynamites danoises, c'est parti! One eternity later. Bon, première mi-temps terminée et on va pas se mentir, c'était un peu décevant. Varane qui se fait passer comme un débutant, des occasions ratées mais qui n'étaient pas très loin et Mbappé qui se blesse à la fin de la première mi-temps. Pour l'instant, ça pue un petit peu ce match. Deuxième mi-temps terminé, fin du match, que c'est dur, que ça a été compliqué, une défaite face au Danemark, en plus de ça, énormément de blessures, on en est très loin de la Coupe du Monde, et ça va être très très dur, ça va être très très compliqué. Si les Bleus ne se ressaisissent pas très vite, on va juste faire un aller-retour au Qatar, histoire de dire bonjour, au revoir, et retour au pays. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il y a eu quelques petits soucis. Mais bon, en soi, je pense que la vidéo reflète bien ce match qu'on vient de voir, assez décevant on va dire. Dites-moi votre réaction en commentaire, c'est important, on va en débattre ensemble de ce match. Merci à tous d'avoir supporté cette vidéo, et on se revoit au prochain match. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, c'est important, ça fait plaisir. Merci à tous, ciao.